Je sais qu'on a déjà parlé quelques fois cette année, mais là c'est la première avec France TV et tout, donc on va faire un peu comme si c'était jamais vu encore. Ça va. Alors Arnaud, déjà dites-nous comment ça va pour ce début de saison, comment se sont passées les premières courses? Ouais, ça va, après c'est pas le départ, le début de saison que j'avais rêvé, mais en tout cas voilà, j'ai une bonne équipe, on essaye des choses, il y a des belles choses qui sont faites, et puis maintenant faut être patient et opportuniste. Comment justement se construit le train? En plus, il y a eu une mauvaise nouvelle la semaine dernière avec la chute et l'indisponibilité de Florent Sénéchal. Ouais, voilà, on doit s'adapter. Malheureusement, Florent Sénéchal s'est cassé la clavicule la semaine dernière. C'était un très bon élément pour le train. Dan McLeay aussi qui a encore des douleurs aux côtes du Tour d'Algarve. Donc ouais, forcément, on va s'adapter, mais voilà, je sais qu'on sait le faire, donc maintenant on verra bien. Il y a autre chose que vous savez bien, c'est ces premières étapes de Paris-Nice, elles vous ont déjà bien souri dans le passé. Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose aujourd'hui? On a reconnu hier, franchement c'est dur. C'est dur maintenant, c'est pas impossible. On sait pas comment le peloton va se comporter, on sait qu'il y a une belle bonif qui est proche de l'arrivée, je pense que ça va faire mal. Les courses d'aujourd'hui sont assez dynamitées très tôt. Donc voilà, en tout cas, le fait que ça soit une course par étape, il y aura forcément des mecs du classement général qui seront piégés. Donc voilà, si jamais je suis pas en bonne mesure de pouvoir suivre, j'espère rentrer après. Et si on est en mesure de pouvoir suivre, est-ce qu'on peut même essayer de créer une course? Ou alors, vu les circonstances, il vaut mieux essayer de survivre et d'espérer être là dans les premières positions? Je suis pas non plus en grande confiance pour pouvoir provoquer des choses. Moi, je pense que voilà, il y a quand même une belle start list. Et voilà, si je vais me contenter en tout cas d'essayer de suivre, et puis ça sera déjà bien. Merci Arnaud. Merci. Bonne chance. Merci.